Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très rapide pour parler d'un accessoire très controversé, c'est le porte-carte en cuir MagSafe. Et avant de voir pourquoi il est si décrié, je vais vous le présenter quand même très rapidement ce porte-carte en cuir. Il est fait du même cuir européen que les coques en cuir d'Apple, donc c'est vraiment définition très haut de gamme, il est vraiment en cuir vraiment très doux, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout ce qui est couture et même le feeling, ça fait vraiment très premium, donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Il est disponible aussi en 4 couleurs, donc noir, bleu baltique comme j'ai ici, Havane et pavot de Californie, jaune quoi. Et la première chose qui m'a surpris quand je l'ai reçu et que je l'ai déballé, ce porte-carte en cuir, c'est à quel point il est rigide. Vraiment, ça c'est assez impressionnant, mais après tout c'est totalement normal puisqu'il est fait d'aimants qui sont bardés un peu partout et même sur l'iPhone. Et donc, s'il n'y avait pas tout ça, et les cartes que vous mettrez dedans, elles seraient démagnétisées, et ça serait quand même vraiment pas idéal. En parlant des cartes, d'ailleurs, vous pouvez en mettre jusqu'à 3 à l'intérieur, ce qui est selon moi largement suffisant pour mettre l'essentiel. Pour les faire sortir, vous avez juste une encoche au dos du porte-carte, vous avez juste à pousser un peu avec le pouce, et la carte sortira. Alors du coup, faut mettre la carte que vous utilisez le plus souvent au fond pour qu'elle sorte en premier. Sinon, vous allez devoir toutes les sortir avant d'arriver à celle que vous voulez, c'est un peu pénible. Et puis d'ailleurs, la présence du porte-carte au dos de l'iPhone le rend, je trouve, un peu plus agréable à tenir en main parce que ça va faire une épaisseur en plus au niveau du creux de la main. Ça, je m'y attendais pas, mais c'est assez agréable, honnêtement. Maintenant, on va parler de la partie qui fâche et qui a fait beaucoup parler au moment où il a été annoncé en même temps que les nouveaux iPhone 12. Et c'est la force avec laquelle il tient au dos de l'iPhone. En fait, c'est simple. Je peux pas vous garantir qu'il va pas tomber au moment où vous allez le mettre dans votre poche. Et ça, c'est quand même gênant pour un truc où vous allez mettre votre carte bleue, hein. Alors évidemment, ça va dépendre beaucoup de vous et ça va pas arriver forcément à tout le monde. Moi d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé depuis 2 mois que je l'utilise. Mais ça peut arriver à n'importe qui. En fait, ça va beaucoup dépendre de la manière dont vous le mettez dans votre poche et du type de vêtements que vous portez. Déjà, la force des aimants, je trouve qu'ils sont assez puissants pour que le porte-carte en cuir se barre pas quand vous poussez dessus de manière verticale. Par contre, il va se barrer plus facilement quand vous poussez dessus de manière horizontale. Et ça, c'est totalement normal. En fait, c'est la nature même du produit. En fait, il est fait pour être enlevé très rapidement et très souvent dès que vous voulez l'utiliser, par exemple, pour charger votre iPhone, vu que la charge passe pas à travers le porte-carte, ou alors pour pouvoir sortir une carte, évidemment. Donc, ouais, c'est un produit qui est fait pour être enlevé régulièrement, et donc c'est normal qu'on puisse pousser dessus assez facilement depuis le côté quand on veut l'enlever. Mais reste qu'il aura tendance à tomber si vous le mettez dans des jeans très serrés, c'est quasiment inévitable. Il va se coincer entre la poche du jean et l'iPhone, et là, c'est sûr, il va se casser la gueule et vous avez juste à appeler la banque. La bonne manière, selon moi, c'est plutôt de changer la manière dont on met l'iPhone dans la poche. Si vous allez le pousser avec le pouce pour le faire rentrer dans la poche, là, c'est sûr, il va encore une fois se coincer entre le jean et l'iPhone. Pour moi, la bonne manière, ça serait plutôt d'aller ouvrir la poche avec le pouce, avec l'index plutôt, et d'aller le faire tomber en fait dans la poche. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai mis mon iPhone dedans, et ça m'a jamais gêné, et du coup, ça n'a jamais été un problème avec le porte-carte en cuir. Mais ouais, si vous le faites autrement, il y a des risques, honnêtement. Mais moi, j'ai un vrai problème avec l'existence même de ce produit. Ça fait des années, depuis 2014, qu'Apple nous rabâche que le futur, c'est le paiement avec l'iPhone uniquement. Et là, il nous débarque avec un truc pour mettre nos cartes bleues au dos de l'iPhone. Ça a, selon moi, aucun sens. Alors, certes, maintenant, il y a l'Apple Card qui est en titane et tout, l'Apple Card physique. Mais déjà, elle est disponible qu'aux États-Unis. Et honnêtement, c'est plutôt un truc que vous êtes censé utiliser de façon très ponctuelle quand l'iPhone ne reconnaît pas le terminal de paiement ou alors que le terminal de paiement n'est pas à jour pour pouvoir quand même le payer. Mais reste que selon moi, c'est pas un truc qui a du sens aujourd'hui. Vous pouvez même pas l'utiliser pour mettre votre carte de transport dedans vu qu'il est du coup isolé de l'extérieur. Il faudra l'enlever à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Ça, c'est vraiment pas pratique. C'est un coup à la faire tomber quand il y a vraiment beaucoup de monde dans les transports ou quoi. Donc ouais, je me demande un peu ce qu'il fout là, ce produit. Alors aussi, j'ai oublié de le préciser, mais comme c'est un accessoire MagSafe, à chaque fois que vous allez le connecter, vous allez avoir un petit retour haptique, une animation et aussi un petit retour sonore si vous avez le son activé pour bien préciser qu'il a été connecté. Vous allez aussi avoir ça quand vous allez le déconnecter pour bien vous signifier que il est plus connecté à votre iPhone. Mais bref, est-ce que vous devriez l'acheter du coup ce porte-carte en cuir? Et forcément, moi je vous dirais plutôt non. Sauf si vous êtes reconnu dans cette vidéo, que vous avez reconnu que c'est exactement ce que vous attendiez depuis des années. Là, à ce moment-là, allez-y, ça vous permettra de transporter moins de choses. Mais sinon, juste gardez vos 65€. Parce que oui, il coûte 65€. Pour le coup, je trouve pas que le prix soit abusé parce qu'il est vraiment d'excellente qualité.
Mais ouais, la nature du produit me gêne plus que sa qualité. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Dites-moi ce que vous pensez du porte-carte en cuir d'Apple dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est un produit qui peut vous intéresser? Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut!